Alors bonjour, je vous propose un petit bilan sur le TP qu'on a fait sur la mesure de la vitesse du son afin de vous aider à finaliser votre compte-rendu. Je reviens un petit peu sur le principe de la manip qui n'était pas forcément évident. Vous vous souvenez qu'on a utilisé Fifox, le chronomètre sonore, qui nous permet de mesurer précisément, puisqu'on est à la milliseconde, à quelques millisecondes près, l'intervalle de temps qui se passe entre deux événements sonores. Fifox permet de mesurer l'intervalle de temps entre deux événements sonores. En l'occurrence, nous, on va utiliser des claps. On va utiliser un clap qui va se passer à un certain endroit, un clap qui va se passer à un autre endroit. On avait fait au bureau et tout au fond de la classe, donc il y a une dizaine de mètres qui séparent les deux. Les mesures des distances, là, on avait mis 1 mètre, donc on sait précisément combien on avait entre ces deux claps. Et on a placé un chrono pile au milieu. Hein. Alors, pile au milieu, mais on avait vu que dans la classe, on avait pu utiliser différentes positions du moment qu'elles sont à même distance du point A et du point B. Hein, il faut juste que ces distances soient équivalentes et il n'y a pas de problème. Hein, mais là, on va prendre l'exemple tout simple où il est vraiment au milieu. Et un autre chrono qui idéalement se trouverait juste au point A. Alors là, c'est pareil, on était juste au point A. C'est pareil, on était nombreux, on ne pouvait pas mettre tous les iPads exactement au même endroit. Donc on a joué un petit peu sur la distance, on verra ce détail après. Mais sur le principe de l'expérience, c'était le suivant. Le son, le premier clap, hein, les deux claps n'étaient pas simultanés. On va regarder ce qui se passe pour un chrono, puis pour l'autre chrono. Ce chrono numéro 2, qu'est-ce qui arrive quand le premier clap est émis? Ben, ce chrono 2, il va être déclenché avec un léger retard. Ce retard, on peut le calculer, hein, vous connaissez la formule V égale D divisé par T, mais on peut très bien calculer le temps. Si je cache le temps, ça nous donne D divisé par V. Donc, on a T égale D divisé par V. T égale D divisé par V. Ici, la distance qui a été parcourue, ce n'est pas D, mais c'est D sur 2. Donc, D sur 2 divisé par V, vitesse du son, 340 mètres par seconde. Donc, on a un temps qui est bien précis, qui est lié à la vitesse du son et la distance qu'on avait ici. Okay. Ça, c'est le retard avec lequel notre clap A est arrivé jusqu'ici. Mais on n'a même pas besoin de le calculer. Pourquoi? Parce que notre clap B, celui qui va venir arrêter notre chrono, hein, ce clap B, il va arriver lui aussi avec un retard qui sera exactement le même. Et au final, si vous avez un certain temps, mettons 3,4 secondes entre ces deux événements, si votre chrono a été déclenché un tout petit peu en retard, mais qu'il a été arrêté avec exactement le même retard, il va quand même mesurer 3,4 secondes, c'est-à-dire la vraie valeur qui s'est écoulée entre ces claps. Donc ce chrono-là, il faut le voir comme celui qui vous donne la vraie valeur entre les claps. Okay? Il est placé exactement au milieu, c'est ce qui lui permet de ne pas être perturbé par ce problème du temps que met le son pour arriver jusqu'à Fifox. Voilà, ça c'est pour le chronomètre numéro 2, c'est notre référent. Ensuite, le chronomètre numéro 1. Alors lui, au contraire, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il va être faussé, entre guillemets, par le fait que le son va mettre du temps pour traverser toute la classe. Alors, il ne va pas être faussé au déclenchement. Pourquoi? Parce que ce chronomètre, il est juste à côté du premier clap. Donc, au moment où on va claquer dans la main la première fois, instantanément, notre chronomètre va démarrer. Okay? Et si on mesure, par exemple, toujours de 3,4 secondes, mais ça dépendra entre les claps, hein, une fois ce sera 3,4, une fois 2,7, etc., peu importe, quand est-ce que le chrono va s'arrêter? Le chrono est déjà à 3,4 quand on clappe, mais il faut en plus que le son arrive jusqu'au chronomètre ici, qui revienne, donc qui traverse toute la classe, cette distance D. C'est-à-dire que cette fois-ci, notre chronomètre 1 ne va pas donner, comme celui-là, 3,4, mais il va donner 3,4 plus quelque chose qui va correspondre au temps que le son a mis à parcourir la classe. Et on a vu que T égale D sur V, c'est-à-dire la distance D, cette fois-ci la distance entière, la classe entière, une dizaine de mètres, divisée par cette vitesse qu'on aimerait bien mesurer. Okay? Donc ça, la distance, on la mesure physiquement dans la classe, on avait sorti 1 mètre, et V, justement, c'est ce qui va nous permettre de le mesurer. Puisqu'on a le chrono 2 qui nous donne le vrai écart entre les claps, le chrono 1 qui nous donne l'écart entre les claps plus le temps que le son a mis à parcourir la pièce. Si on fait la différence des deux, il nous reste uniquement D divisé par V vitesse du son. D, on peut le mesurer, hein, avec le mètre, on l'a mesuré. Et V, c'est la vitesse du son. Okay? Donc notre vitesse du son peut être calculée, on peut retourner la formule et dire que V sera égal à notre distance divisée par T2 moins T1, la différence entre les deux chronos. Ça, c'est ce que vous ferez dans votre tableau Excel, mais pour ça, il faut bien avoir compris la manipulation. Il y avait une petite complexité qui était liée au fait que tout le monde ne pouvait pas mettre son iPad exactement au niveau du point. Donc je vous ai dit, vous placez votre iPad, peu importe l'endroit, mais il faut que vous sachiez exactement quelle est la distance que vous avez à votre point A. Et en faisant la différence avec la distance totale, on pouvait avoir la différence au point B. Et ce que va mesurer du coup votre chronomètre 1,
votre chronomètre, ce chronomètre ici, c'est l'écart de temps entre l'arrivée du premier clap qui a mis un certain temps et l'arrivée du deuxième clap qui a mis un certain temps. La différence entre ces deux temps est liée à la différence de distance. Donc là, vous avez mesuré par exemple 40 cm, hein, donc 0,4 mètres. Ici, vous avez mesuré par exemple 9,6 mètres. Ça veut dire qu'entre ces deux distances, il y a 9,6 moins 0,4, c'est-à-dire 9,2 mètres. 9,2, c'est l'écart de distance parcouru par ces deux sons. Okay, donc, c'est ça qui va vous donner le retard lié à votre chrono. Donc, vous, au lieu d'utiliser la distance totale, si vous aviez pu mettre votre iPad ici, c'est ce que vous aurez fait, de 10 mètres, vous allez utiliser l'écart entre la distance au point A et la distance au point B. C'est ça qui va provoquer le retard. Okay, donc, votre formule finale serait quelque chose du genre V égale votre distance au point A moins la distance au point B divisé par le chrono 2 moins le chrono 1. Le chrono 1, pardon, moins le chrono 2. J'ai inversé. Si vous avez un temps négatif, c'est que vous avez switché. Normalement, on a quelque chose de positif. Hein. Donc, vous prenez la plus grande distance moins la petite et le plus grand chrono moins le plus petit. Voilà donc le principe de, cette mesure. Le chrono central qui vous donne la différence entre les claps. Le chrono numéro 1 qui, lui, va être faussé par la distance. Mais c'est justement cette erreur, entre guillemets, qu'on va exploiter pour déterminer la vitesse du son. Pour l'exploitation dans Excel du TP, il y a une deuxième vidéo. Hein. Par rapport à la compréhension, dans le TP, je vous rappelle que le fichier Excel que vous allez ouvrir, il y a trois onglets ici. Vous avez un onglet 1 où je vous demandais de répondre aux questions. De quelles questions s'agit-il? Il s'agissait des questions qui étaient dans votre document de TP. Si les clapas sont simultanés, quel sera l'intervalle de temps mesuré par les deux chronomètres? C'est pas quel sera l'intervalle de temps, c'est est-ce que ça sera le même? Il fallait le justifier. Si, on a travaillé en classe dessus, si les claps sont espacés de 3 secondes, pouvez-vous prédire le résultat du premier chronomètre et du deuxième chronomètre? Bon, je viens de vous en parler, hein, on a deux cas de figure différents. Il y en a un, on va pouvoir dire précisément la valeur qu'il va donner, et l'autre, on peut donner une estimation. Est-ce que ça sera plus grand, est-ce que ça sera plus petit, par exemple, que le premier? Question 3, 4, 5, c'est dans un cas de figure où Anne et Billy, hein, Anne et Billy, c'était pour les points A et B, vont claquer avec un intervalle de temps, un certain intervalle de temps entre les deux claps. On ne sait même pas qui a clapé en premier. Et là, je vous donne les mesures. Je vous dis que le chronomètre 1 mesure 2,04 et le chronomètre 2 mesure 1,380. Et je vous demande, est-ce qu'elles ont clapé simultanément? Si ce n'est pas le cas, qui a clapé en premier? Et on peut même aller, cette fois-ci, en considérant qu'on connaît la vitesse du son, qu'elle serait 340 mètres par seconde, on va au contraire mesurer la distance. Donc, si on connaît la vitesse du son, on peut calculer la distance. Si on connaît la distance, on peut s'en servir pour mesurer la vitesse du son directement. Une fois que vous avez ça, normalement, vous avez une bonne compréhension du TP. Et vous pouvez passer à l'onglet. Alors, l'onglet 2, c'est juste pour poser, pour mettre des photos de vos mesures, éventuellement de votre installation. A priori, je ne pense pas que vous ayez fait de photos parce que vous n'avez pas été occupé à mesurer avec FIFOX. La troisième partie, c'est l'exploitation des mesures. Le troisième onglet, c'est une feuille de calcul dans laquelle vous allez avoir à utiliser des formules. Mais ça, il y a une deuxième vidéo qui vous explique un petit peu comment utiliser ces formules. Et puis, vous avez également les explications suivantes sur dans le document, sur comment faire une soustraction, un calcul de vitesse et utiliser une moyenne dans Excel. Voilà, ce qui pourra vous servir à calculer vos notes si vous n'avez pas confiance à la moyenne calculée par Pronote. Voilà, donc bon courage, j'attends vos comptes rendus.